C'est une vraie victoire, un pas important pour des millions d'animaux qui souffrent sur la route et dont nous détournons le regard au passage. Le transport des animaux est une cause importante de souffrance chez les animaux d'élevage. L'élevage industriel, la surproduction et la recherche du profit ont amené à multiplier ces transports et à allonger sans cesse les distances parcourues. Les animaux sont transportés vivants sur des distances de plus en plus longues et souvent dans des conditions inadmissibles. Surpopulation, déshydratation, maladie, épuisement, chaleur et froid, transport d'animaux non sevrés, etc. Une directive européenne existe, mais les enquêtes et la multiplication d'accidents tragiques montrent que les règles existantes sont mal appliquées et insuffisantes. Les mobilisations massives montrent que les citoyennes et citoyens n'acceptent plus ces dérives. Depuis des mois, nous nous battons pour que soit créée une commission d'enquête sur les transports des animaux. Après des mois de bataille et de rebondissements, nous l'avons obtenue. Elle nous permettra d'être dotée de moyens supplémentaires pour enquêter et faire des propositions pour améliorer la législation. Il y a urgence. Cette commission va faire un état des lieux et rappeler les États membres et la Commission à leurs responsabilités. C'est une étape importante pour mieux comprendre et améliorer le sort de ces animaux.